Les oreilles, n'oubliez pas. La dernière fois, je vous ai demandé pardon. Likez la vidéo d'abord. Si vous payez, ça n'a qu'à devenir comme uniforme, comme un réflexe. Avant de regarder la vidéo, likez, commentez. Je vous demande pardon. Vous allez reprendre. Je vous ai dit de liker. La vidéo a pris. Regardez, il y a eu combien de likes en même pas 4 jours. Avez-vous ma vidéo? Je me suis battu. S'il vous plaît, likez. Quand vous likez comme ça là, nos ennemis commencent à avoir tremblant. Likez. Jésus, au bout là. D'ailleurs, merci d'avoir liké. On n'a qu'à déposer à faire des likes là. Jésus, au bout. J'ai vu certains commentaires sous cette vidéo là. Que non, on veut Loïc, l'ancien monteur. On ne veut pas le nouveau monteur. Le nouveau monteur là, il met trop d'effets. Son montage est trop. Il met trop d'effets. Il fait un montage comme un enfant de CP2. Il prend mes vidéos pour faire cahier de coloriage. Il colorie les vidéos là. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'effets de couleurs. Il met les effets. Oui. Il fait les vidéos. Il prend mes vidéos comme carnet de vaccin. Il fait que vous n'avez pas dit que vous aimez ça. Vous pensez que changer de monteur là, ça me plaît. Vous pensez que quand je change de monteur, comme si je suis en train de changer de drap, ça me plaît. C'est parce que hein, quand je ne me rends pas vite mes vidéos, je suis obligé de dire bye bye. Parce que c'est vous les mêmes. C'est vous qui venez dire que Kevin, tu ne sors pas de vidéo. De me faire comment maintenant pour vous donner. Laissez le temps à Lucifer, mon nouveau monteur, de faire son temps. Ou bien c'est parce qu'il s'appelle Lucifer. Je suis désolé. Il s'appelle Lucifer, mais ce n'est pas lui qui a dit à Judas de trahir Jésus. Je suis désolé. Vous dites qu'il fait les montages comme Nollywood. Nollywood est petit. Il fait ça comme Bollywood. Il fait ça comme Bollywood. Lucifer, fais-moi porter habit de Vaïdéi. Lucifer, fais-moi porter habit de Vaïdéi. Quand Jaden est parti, vous avez dit que pourquoi tu as enlevé Jaden? Loïc n'est pas bon. On préfère les montages de Jaden. Ça n'a même pas fait 2 jours. Ah Loïc, Loïc est drôle. C'est comme ça vous êtes. Vous êtes comme chargeur de Motorola. Dès que vous branchez, ça charge un peu. Le lendemain, on veut recharger. Ça ne charge plus. C'est comme ça vous êtes. Lucifer, prouve ton talent. Oh, Lucifer, prouve ton talent. C'est le moment. C'est le moment de fermer la bouche des gens qui t'ont critiqué. Même moi, au ralenti, Lucifer. Mais sache que, façon je suis en train de te défendre là, Lucifer. Façon je suis en train de mettre ma poitrine pour qu'on tape dessus, pour pas que les coups te touchent. Façon je sais défendre, c'est comme ça que je sais condamner. Façon je sais dire, objection votre honneur, c'est comme ça aussi que je sais dire. Je requiers la condamnation à perpétuité. Je sais faire les deux. Parce que, de toute façon, je suis en train de transpirer pour te défendre là. Faut pas faire. D'ailleurs, même, qu'est-ce que je peux dire même? Qu'est-ce... On voit mon open nord. Parce que je commence à transpirer. Même mon open nord, ma chambre n'a qu'à devenir le pôle nord. Maintenant, je veux pas le pôle nord où la glace a fondu. Hein. Parce que vers le pôle nord, là, il y a des coins qui fondent à cause du dérèglement climatique. Même au pôle nord où la glace est encore glace. Où l'hiver est encore hiver, où l'hiver est froid. Ne me mets pas où l'été est feu. Même où l'hiver est froid. Maintenant, je suis au pôle nord. Ouh, voici le bonhomme de neige. Hello bonhomme de neige. Je t'ai défendu. Mais faut prouver maintenant. Générique. Coucou les chéris, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Likez la vidéo là.
commenter avant de poursuivre. Les chouris, avant de commencer cette vidéo, je viens vous parler de mon code promo Chouris12 qui est un code promo qui vous donne 5 euros gratuitement si vous êtes en Europe. Si vous êtes au Canada ou aux États-Unis, ça vous donne 10 dollars. Un jour gratuit. Via TapTapSend, vous téléchargez l'application TapTapSend. La personne à qui vous envoyez de l'argent en Afrique là, doit avoir un numéro Move Money, Orange Money, MTN Money. C'est le seul moyen d'envoi d'argent qui est efficace, qui est net, qui est rapide. En plus de ça, il y a code promo qui vous donne l'argent. Si vous êtes au Canada où il fait froid là, aux États-Unis, peu importe la somme que vous envoyez, même si c'est pas 3 000 $, vous payez 0 $ de frais d'envoi. En plus, Chouris12 vous donne 10 $. C'est comme ça. C'est rapide. C'est pour ça que ça s'appelle TapTapSend. Sinon, hein, ça laisse s'appeler tap 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 tap. On peut faire publicité comme ça sur YouTube. On dirait un tonton que tap tap tap. Vraiment les gens de tap tap scène. Augmentez mon argent. S'il y a quelque chose qui est compliqué dans la vie, c'est chercher l'argent légal. L'argent honnête, c'est dur. Demain, j'aurai des enfants. Me voici. Tap, 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 tap. Ça, là, mes enfants vont voir. Mes enfants vont voir. Mais on est dedans. C'est mon job. J'assume. Téléchargez Tap, Tap, Sim. Les chouris, pour ceux qui me suivent depuis, vous savez que j'ai dormi devant Disney Channel. Vous savez que j'ai veillé devant Disney Channel. Quand je regardais Zach et Cody, je me prenais pour la chinoise qui était dedans. J'ai oublié ça. Quand je regardais les sorciers de Waverly Place, je pensais même que c'est moi qui disais à Selena Gomez et puis son frère. Oui, les sorciers de Waverly Place. Oui, c'est ça. Place. C'est pas Waverly Place. Les sorciers de Waverly Place. Les Place. Sorcellerie de Place là. Quand je regardais sur Disney Channel, Place sorcier, c'est comme si je disais à Selena Gomez, le bâton là, quand tu prends pour faire tes chouateries, fais ça comme ça au lieu de faire comme ça. Le bâton magique qu'il prenait pour faire les pépettes là. Tellement je regardais. Hier, je suis tombé sur Disney Channel. J'ai vu qu'il y avait un film qui parlait de bal de fin d'année. Je me suis rappelé en même temps que je n'avais jamais expliqué mon bal de fin d'année sur YouTube. Mon bal de fin d'année de terminale. Je n'avais jamais expliqué ça ici. C'est pas quelque chose même qu'on doit expliquer. Parce que mon bal de fin d'année de terminale là, tu vas dire cérémonie d'initiation de Poro. Poro, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est dans le nord de, c'est dans le nord de la Côte d'Ivoire. Voici comment c'est. Voici comment la cérémonie est un peu. Tu vas dire Poro. Tellement c'était hieri. Tellement c'était hieri. On a eu le bac. On dit que bal de fin d'année. Je me suis rappelé en même temps que bal de fin d'année là, on doit porter veste. De toute façon même, sur l'affiche, ils avaient mis dress code. Chic et glamour. Et puis il y avait la tête d'un gars, la tête d'une fille. Le gars avait porté smoking. La fille avait porté robe de gala. Pour porter smoking là, c'est l'argent. Pour porter veste avec nœud papillon, pantalon, souliers, c'est l'argent. Money. Il pleut. Ah. Tellement même Dieu veut me soutenir. Il pleut. Parce que j'ai souffert ce bal de fin d'année là. Mami, c'était compliqué. C'était quelque chose, les amis. Depuis quand je vous appelle les amis? Les chouris, je suis allé voir ma maman. Oh, c'est quoi même? Il me place avec ma maman. Hein? On fait du bruit comme ça. Et ça là, ils peuvent voir la vidéo. Hein? Cher locataire, oh, qui suis-je? Vous pouvez faire du bruit. Vous pouvez.
Je suis allé voir ma maman, je dis, ah maman, il y a mon bail de fin d'année. J'ai besoin de l'argent pour m'habiller. Elle dit, depuis quand, quand vous faites vos choses de fin d'année, là, tu viens demander l'argent pour t'habiller. Il faut porter ce qui est là. Je dis, toi, tu parles de kermesse. Ce qu'on fait chaque année, et puis je ne te demande pas l'argent pour m'habiller là. C'est kermesse. On fait ça dans la cour de l'école. Et puis les rappeurs Mbrakata viennent rapper. Cette fois-ci là, c'est bal de fin d'année. On va faire ça dans une salle à côté d'une piscine. Les rappeurs, les chanteuses, il y aura à manger. C'est bal de fin d'année. Tu ne peux pas comparer kermesse à bal de fin d'année. C'est comme si tu compares pâte de poulet avec confit de canard. Pourquoi? C'est comme si tu comparais les pâtes bolo, les pâtes bolognaises, les pâtes bolo avec macaroni fourré dans le pain. Faut pas faire ça. C'est le bal, la cérémonie, le bal de fin d'année. Elle dit, Kevin, je n'ai pas l'argent. J'ai dit, maman, tu n'as pas l'argent pour me donner l'argent. Tu n'as pas l'argent pour me donner l'argent pour que j'aille donner l'argent au monsieur qui vend smoking pour porter. Tu n'as pas. Elle dit, je dis, je n'ai pas. Voici ton école, on doit payer. Université privée, UKO. Bal de fin d'année, comment? Toi, tu ne vois pas la priorité. Dans mon cœur, je dis, pour moi, c'est une priorité. J'ai dit ça dans mon cœur, je n'ai pas parlé. Mais dans mon cœur, j'ai dit. Quand je regardais Disney Channel, je regardais les films de 13h de TF1. Le bal de fin d'année, c'était la cérémonie que tout le monde devait être là. C'était la cérémonie. C'était même pas une cérémonie. C'était un événement. Un event. C'est, event. C'était ça. Je n'ai pas parlé. J'avais un ami au Maroc là. J'ai envoyé un message à mon ami là. J'ai dit, hey, il y a mon bal de fin d'année de ma promotion terminale. Je n'ai pas l'argent pour payer veste. Quand tu viens en vacances et que tu viens avant la fête, si tu peux m'envoyer une tenue veste. Il m'a dit, non, t'inquiète, il n'y a pas de souci. J'ai dit, sérieux? Il dit, oui. J'ai commencé à narguer mes amis de classe. Quand on causait dans le groupe, que toi tu vas porter quoi? Toi tu vas porter quoi? Chacun disait où il va aller payer sa veste. Moi je connais un point à Djamé. Moi je connais. Moi je répondais, je dis, ah bon, vous partez à Djamé? Pour le bal de fin d'année, on ne va plus se revoir après ce bal-là. Vous partez à Djamé? Moi ma tenue vient de Casablanca. À l'époque, je n'avais jamais voyagé. Je n'avais jamais voyagé. Dans ma tête, Casablanca dépassait Saint-Tropez. Dans ma tête, Casablanca dépassait Saint-Tropez. Est-ce que moi, je connaissais? Je n'avais même pas passeport. C'était en 2013. Je n'avais pas passeport. Quand j'ai quelque chose, dit que le nom Casablanca, là, ça donne un gêne. Surtout quand tu demandes, tu vis où? Et puis la personne dit, je vis à Casa. Wow! Ça donne les gens qui... Moi, dans ma tête, Casa, ça dépassait New York. Casa. Quelque chose dit que Casa. Regarde comment New York est dit. New York, York. New York est trop dit. New York, York, York. Casa. Casa Blanca. Dans ma tête, je dis que mes vêtements viennent de Casablanca. Ah, pardon. De Casa. Hé! Hey! Mes amis disent J. J'ai dit, c'est pas J, vous allez dire. J. J est petit. Là, là même, vous dites J. Parce que vous n'avez pas encore vu. Quand je vais porter, vous allez dire, ah oh, c'est parce que je n'ai pas encore porté que vous avez dit J. Quand je vais, parce que ce genre de vêtements là, ça se porte pas, ça s'arbore, ça s'enfile. Quand je vais enfiler, arborer la tenue que mon ami de Casablanca va envoyer pour que je porte, vous n'allez pas dire J, vous allez dire ah oh. J'ai dit dans le groupe,
Mon ami est arrivé deux jours avant la cérémonie. C'est comme je vous jure, c'est vrai. Écoutez bien. Il est arrivé deux jours. Je suis même allé le chercher à l'aéroport. Oui. Je suis allé à l'aéroport pour le chercher. Mes habits étaient dans la valise. Vous dites quoi? Mes vêtements étaient dans la valise. Je suis allé le chercher. On est allé chez lui. Donc, il a mis le truc dans un sachet. Moi, je n'ai pas regardé. Parce qu'on devait sortir, en fait. Donc, on est sorti et je suis rentré. Je me suis dit, quand je rentre à la maison, le truc était déjà dans un sachet, en fait. C'était emballé, en fait. Voilà, c'était emballé, mais dans un plastique. Donc, je n'ai pas déchiré. Je dis, bon, quand je vais rentrer à la maison, je vais déchirer pour regarder. J'étais dans le taxi pour rentrer. Je me suis dit, maison est loin. Maison est loin. Mais après, je me suis dit, Kevin, patience. Parce que dans le taxi, il n'y a pas de lumière. Abida, c'est pour toi. Faut patienter. Quand tu vas rentrer à la maison, tu vas déballer. J'étais impatient, mais je dis, faut. Mais je me suis dit, Kevin, faut attendre. Sors ce qui est pour toi là. Sors ce qui est pour toi là. Tu n'as pas besoin de voler viande dedans pour manger. C'est pour toi, c'est déjà là. C'est ce que je me suis dit. J'ai attrapé mon truc. Je suis rentré à la maison. J'ai déballé. Ah, vraiment. Le smoking là était smoke. Smoking de Casablanca là. Ah, c'était smoke. Ah, non. Oui. Ça là même, c'est pas smoking, on devait dire. Parce que smoking, ça veut dire fumer en anglais. Smoke. C'est pas smoking. C'est shish king. Shisha. Ce que j'ai vu là, je sais pas si c'était veste ou. Je sais pas si c'était basé. Je sais pas. Je l'ai appelé. J'ai dit allô. Le paquet que tu m'as donné là, tu es sûr que c'est pour moi? Il dit oui, c'est pour toi. Ça va t'aller, hein? Ça, j'ai acheté ça dans un grand magasin à Casa. Je dis attends. Je n'ai pas passeport, hein? Mais je sais qu'au Maroc, on ne choque pas. Faut arrêter Chocobi, j'ai en train de faire là. Au Maroc, c'est arabe, on parle. C'est vrai que ça a 2 heures de la France, mais ce n'est pas la France. Faut prendre Chocobi là. Tu vas mettre dans ta valise d'abord. Quand on va finir, tu vas faire sortir. J'ai dit, ce que j'ai vu, c'est ça que je dois porter pour aller au bal. Il dit oui. Merci. Il dit, ou tu n'aimes pas? J'ai dit non. J'adore. Je vais te dire quoi? Tu dis, tu as payé ça dans l'un des plus grands magasins de Casa. Peut-être même que tu as payé ça dans la maison du roi du Maroc. De te dire quoi? Tu dis que tu as acheté ça dans le plus grand magasin de Casablanca. Si on va un peu devant, tu vas me dire que tu as acheté ça dans la maison du roi du Maroc. Je te dis quoi? C'est joli, c'est beau. Que m'étais sûr tu aimes? Je dis, hey, papa, j'adore. Baba, I love it. This smoking, I like. Hey, si vous avez vu veste là, veste là, tu vas dire que, hey, Seigneur, je sais pas comment dire. Tu vas dire que on voulait faire maxi et puis on a fait son bustier. Je sais pas. C'était gros comme ça. À l'époque, j'étais miss. Il y a 10 ans de cela. C'est maintenant que je suis devenu habitué. C'est maintenant que j'ai pris des formes là où il faut. À l'époque, j'étais raide. T'es une branche sans racine. C'est maintenant que j'ai pris un peu de. Tchiki, tchiki, tchiki. J'ai regardé ça comme ça. Je savais que ça là, je ne pouvais pas porter. Je suis allé à Djamé le lendemain. J'ai demandé pardon à ma maman. Elle m'a donné 10 000.
J'ai pris Baka, je suis allé à Djamé. J'ai un ami là, il m'a dit, connais où on vend les vestes à Djamé. Oui, oui, finalement, je me suis retrouvé à Djamé Liberté. Hé, hey, je me suis retrouvé à Djamé Liberté. Hé, hey, après, je me suis retrouvé à Djamé Forum. Oui, hé, hey, j'ai servi le Forum. Hein. J'étais un digne fils du Forum. Hé, hein. Hey, j'ai battu campagne pour le Forum, à Djamé Forum. J'avais le choix, j'avais pas le choix. Je suis allé, j'ai vu les vestes. Le gars me dit que une veste a 6 000 à débattre. Dans mon cas, je dis 6 000 à débattre. Si on débat, on se bat, on s'enroule, on peut arriver à 1500. Ça veut dire que la veste là a été cousue où? Veste 6 000. Ils ont confectionné ça vers où? Je n'avais pas le choix. C'est quand tu as le choix et que tu as l'argent, tu réfléchis beaucoup. Pour dire que, mais je ne peux pas porter ça. C'est quand tu as l'argent, tu as des manières. C'est quand tu as l'argent, tu as des manies. C'est quand tu as l'argent, tu as des exigences. Quand tu n'as rien, comme j'avais rien là. Ce qui est là, tu mets sur toi. Ce qui est là, tu rentres dedans. J'ai pris ma veste. Je suis parti. Maintenant, on dit qu'il faut avoir une cavalière. Donc, le matin même, j'appelle les filles de ma classe. Ah, allô, tu veux être ma cavalière? Telle dit non. J'ai déjà un cavalier. Tu veux être ma cavalière? Je n'ai pas encore de cavalier, mais j'aurai un cavalier. Il y a un gars au terminal, c'est là. Il dit, veux être mon cavalier. Les filles, c'est ce qu'elles me disent. Tu veux être ma cavalière? Non. J'ai dit, mais attends. Vous voulez me dire quoi? Les filles. Vous voulez me dire que moi-même je suis une cavalière? Ou bien c'est quoi? C'est ça. Vous voulez me dire que, hé, hey, toi-même là, faut venir, on va chercher cavalier ensemble. C'est ça. Pour dire qu'on va partir, on va s'attraper comme ça pour rentrer. Je prends mes unités, j'appelle les filles là. Des filles pour qui je payais ton picot. Hein. Des filles pour qui je payais ton picot, je payais brioche. Hé! Hey, vous avez été ingrate. Regardez-moi bien, vous allez vous reconnaître. Même la plus vilaine de la classe, elle m'a fait fort. Au bout d'un moment, je n'avais plus le choix. J'ai appelé la plus laide. Je dis, allô, c'est Aubin. Tu es un cavalier. Elle dit non. Dans mon cœur, je dis, si toi tu avais cavalier, c'est que vraiment, la fête d'aujourd'hui, là, ah, on allait danser jusqu'à promotion prochaine des terminales. Si toi tu avais cavalier. On allait faire fête jusqu'en promotion prochaine de terminale. On allait faire un an de fête. J'ai dit, mamie, façon tu n'as pas de cavalier. Moi-même, je n'ai pas de cavalier. Viens, on s'associe. Que non, moi vraiment, je ne vais pas venir parce que je n'ai pas de robe. Dans mon cœur, j'ai dit, tu n'as pas de robe ou bien tu n'as pas de visage. Vilaine. Tu n'as pas de robe ou bien tu n'as pas de visage. Je sais que ce n'est pas gentil. Mais tu pouvais venir, on allait s'associer. Moi, je n'étais pas vilain. Nous tous, toute l'année, depuis seconde jusqu'en terminale, on a vu ton visage. Nous tous, on savait que tu n'allais pas être la reine. Mais tu pouvais quand même venir. Depuis seconde, on supporte ton visage. Ce n'est pas jour de bal de fin d'année, on va tomber évanoui. Donc, il y a quoi? Cette gougandine, elle n'est pas venue. Elle m'a laissé en plan. Elle m'a laissé en plan. Elle m'a fait fort. Hein. Hey, elle m'a laissé comme ça. Je n'avais pas de cavalier. Moi-même, ça ne me dérangeait pas. Ne pas avoir de cavalier. Il ne faut pas que j'aie fait comme si ça me faisait trop mal. C'est pas comme si... Ou bien... En tout cas, c'est ça. C'était au plateau. Il y avait un coin au plateau où il y avait une piscine. Et puis, on faisait les soirées. Même à l'époque des swags. Les swags faisaient les soirées là-bas. En tout cas, c'était au plateau. Je ne sais pas si ça s'appelait le centre municipal du plateau. En tout cas, c'était dans la commune du plateau. Donc, j'ai porté ma veste. J'ai porté un jeans. Un vieux jeans. Une chemise blanche, nœud papillon, chapeau melon.
Regardez, j'ai demandé à une pote si elle avait encore les photos. Elle a dit non. J'ai demandé à un pote, il a dit non. Voici les captures. Parce que ça fait 10 ans. Mais sinon, j'allais vous montrer. Mais je vais chercher encore. Si je retrouve, bah, je vous enverrai. J'étais pas si mal habillée que ça. Hein. Non, j'étais pas... C'est mes chaussures qui étaient hiéries. Mais bon. Donc, je suis allée voir ma maman. Elle dit, tu as tiré haut. Elle dit, l'argent, tu ne voulais pas me donner là. Je me suis débrouillée. 10 000, tu m'as donné là. Ça a donné ça. Je veux l'argent pour partir. Ma maman m'a donné 5 000 francs CFA. Je dis, maman, 5 000. Taxi aller, c'est 3 000. Taxi retour, c'est 3 000. Ça ne suffit même pas. Elle dit, pourquoi? Aïe. Tu prends Baka, tu t'en vas. Au retour, tu prends taxi. Je dis, maman, quand je regarde Disney Channel, quand je regarde les films de TF1, bal de fin d'année, les gens viennent les chercher en décapotable. Cavalier, cavalier, ils sont derrière. Cheveux dans le vent. Les cheveux à l'air. Les cheveux à l'air. Et puis la décapotable roule avec un peu de musique. La cavalière, elle a son bouquet de fleurs dans sa main. Et puis, il bouge un peu avant d'arriver à la cérémonie. Pour moi, je dois aller monter dans Baka pour descendre à Djamé, pour prendre autre Baka pour aller au plateau. Cérémonie de fin d'année. Je ne suis pas en train d'aller faire attestation d'identité. Je ne t'ai pas demandé l'argent pour aller faire attestation d'identité. Je ne t'ai pas demandé l'argent pour aller faire photocopie au plateau. J'ai dit, je m'en vais faire mon bal de fin d'année. Tu dis, Baka. Ma maman dit, tu t'en vas ou tu ne vas pas. C'est 5 000 qui est là. Je dis, je vais partir. Parce que je suis très attendu là-bas. Qui m'attendait? Personne ne m'attendait, je n'étais pas encore star. J'ai pris les 5 000. J'ai fait monnaie chez Ali. Bref, Ali, c'est le boutiquier du quartier. Je dis son nom comme si on le connaît. J'ai fait monnaie chez Ali. Je me souviens. Je suis allé à l'antenne. Je me suis arrêté. Baka est venu. Liberté, liberté, à jamais liberté. J'ai dit apprenti, liberté. Il dit, oh, tu es sapé, un vieux père. Même, j'ai mis mes écouteurs, je me suis assis. Arrivé à Djamé, j'ai donné 1000 francs. Apprenti dit, il n'a pas monnaie. Je vous jure. Il y a deux femmes qui sont descendues là. Ils nous donnent 1000 francs. Et puis, ils disent, partagez. Je ne sais pas si c'était, en tout cas, ils donnent qu'à partager la monnaie. Les femmes m'ont dit que, ah mon petit, toi tu vas où? Je dis, je m'en vais au plateau. Ah, mais tu es sapé comme ça là, tu t'en prends pas encore. J'ai dit, tanti, ma monnaie, monnaie qui est pour moi, qui est dans ta main là, faut me donner. Elle dit, mais là, il n'y a pas monnaie. Moi aussi là, si je paye quelque chose, c'est mon argent qui va diminuer. Je lui ai dit, moi aussi là, si je paye quelque chose pour faire la monnaie, c'est moi-même je diminue. Toi-même, c'est ton argent qui va diminuer. Moi, c'est moi-même je diminue parce que où je m'en vais là, c'est cérémonie avec plein de fonds de bourse. Pour ceux qui ont fait le lycée classique en mon temps, il y avait beaucoup d'enfants de bourse, beaucoup d'enfants de riches. Ils sont venus avec les voitures de leur papa. Moi, je suis allé en Baka. Et Dieu merci, la vie m'a vengé. Dieu merci, la vie m'a vengé. Hey, papa. Hey. On a fait la monnaie, je suis arrivé. Quand je suis rentré là, ça n'a pas duré parce que je suis venu en retard. J'ai décomposé. Pour ceux qui connaissent les Baka, voici ce qu'on appelle les Baka. Ils déposent chaque client un peu, un peu. Donc quand je suis arrivé en retard, ils étaient en train de faire le défilé. Vous voyez, pendant les balles de fin d'année, il y a des élèves qui défilent, on dit que défilé de mode. Pourtant, c'est leur habit, eux-mêmes, ils portent. Hieri. Ce défilé-là, j'ai fait le casting 2 semaines avant. Le monsieur, le styliste qui faisait le casting, qui sélectionnait les gens,
J'ai défilé. Il dit que moi, je suis trop efféminé. Que je ne peux pas défiler. Qu'on cherche des garçons et des filles. Moi, je suis trop efféminé. Lui-même, il est en train de me dire ça. Et puis, ses bras font comme ventilateur. Oui, mais toi, tu es trop efféminé. Ses bras font comme ventilateur. Quand je l'ai regardé, j'ai dit, toi, tu es comme ça. Toi, tu es comme Lucrécia. Toi, tu dis que moi, je suis efféminé. Si moi, je suis efféminé, c'est que toi, madame, tu es madame. Madame la sorcière. J'ai regardé leur défilé là. Maintenant, ils disent que, comment on appelle ça, leurs cocktails sont à volonté quand c'est le premier cocktail. J'ai tout retenu. Les cocktails sont à volonté quand c'est le premier cocktail. Après, on paye. Pourtant, on a payé ticket. On a payé ticket 5 000 par personne. Normalement, dans les 5 000 par personne ticket là, on devait avoir le cocktail gratuit. C'était même qu'un bon cocktail. Vous voyez les cocktails coloris là. Je n'avais pas assez d'argent. L'argent qui me restait là, c'était pour prendre mon taxi retour pour partir. Ils ont dit qu'on peut aussi aller manger. La nourriture était gratuite. Nourriture là, c'était pain, beurre, salade dedans et puis thon. Comment vous dites que bal de fin d'année, c'est pain, salade, thon, vous donnez aux gens pour manger. Des gens qui ont porté veste. Vous savez comment j'ai fait pour avoir ma veste? Et puis, le pain, il coupe en deux. Hein. Quand tu finis, on dit c'est fini. Ça ne suffit pas. Je dis, mais ça là, c'est pas bal de fin d'année. Dites que on est venu dans l'anniversaire d'un enfant de 3 ans. Dites, mes amis m'ont dit que ah, c'est ta veste qui est quittée à Casa là. Rappelez-vous, j'avais dit que ma veste qui était à Casa. C'est ta veste qui est quittée à Casa là. Je dis non, ça là c'est pas quittée à Casa. C'est quittée à Tanger. Tanger c'est une autre ville du Maroc. Il n'a pas eu ce qu'il voulait payer pour moi à Casa. Donc il a pris le train, il allait jusqu'à Tanger. Il y a une chienne qui dit que... Il y a une chienne qui dit que vraiment c'est Tanger. Que vraiment ça là c'est Tanger. J'ai dit oui. C'est Tanger. L'année prochaine. Je dis oui c'est Tanger. C'est parce que même c'est pas vite tombé. Sinon il allait aller à Angers en France pour payer. Ça c'est Tanger. C'est ça qui est là. Entends, j'avais payé ça à Jamé Forum. Après, ils ont dit que prestation d'artiste. Dans prestation d'artiste, là, je vais être dit. Je n'ai jamais parlé de ça, mais je vais être dit. Je dis que je m'en vais aux toilettes. Je m'en vais aux toilettes. Oh. Je vois une fille de ma classe avec un gars de terminal D. Elle va se reconnaître. Ils sont dans un couloir là-bas. En train de s'embrasser, de s'embrasser. C'était son cavalier. Quand j'ai vu ça, j'ai dit Dieu merci. Celle que j'ai appelée en dernière position pour être ma cavalière là, Dieu merci, elle dit elle vient pas. La plus vilaine de la classe là, Dieu merci, elle m'a dit elle vient pas. Je n'avais jamais fait bal de fin d'année. Donc quand j'ai vu ça, je dis ah, peut-être que bal de fin d'année là, les cavaliers et les cavalières doivent forcément s'embrasser. J'ai dit Dieu merci, la fille là n'est pas venue. J'en ai fait comment? À la base même là, à la base. En plus de ça, à la base que la base, en plus de ça, visage, je. Ouh, quand j'ai vu ça, j'ai dit. C'est Dieu qui a fait. La fille là n'est pas venue. C'est Dieu qui a fait. Moi, je ne savais pas. Parce que j'ai vu d'autres cavaliers danser, coller serré, cavalier, cavalier, coller serré comme ça. Oui! J'ai dit, merci. C'est bon comme ça, je suis seul aujourd'hui. Je suis seul. Vous savez les kermesses là. Quand vous devez payer le ticket,
ceux qui organisent dans l'école, ils vont vous dire que avec la présence paix à son âme de DJ Arafat, Arafat était encore en vie, avec la présence de Debordo, de Kiff No Beat, ils ont cité les artistes. On a payé nos tickets. Ils avaient dit Kiff No Beat allait être là. On est venu faire Kemes là. Vraiment, ce qui est venu là, ce qui est venu pour rester là, c'était tout sauf Kiff No Beat. C'était nul avec Beat. Nul avec Beat. Les artistes qu'on ne connaît pas. Le petit rappeur qui écrivent les textes pour dire que j'aime le vélo, mais je n'aime pas boire de l'eau. Les choses comme ça. Ma mère s'appelle Isabelle, mais mon père ne parle plus avec elle. Les choses comme ça. C'est ça, on a un. Ah! Bal des fêtes d'année du lycée classique, promotion 2013. Vous êtes méchant. Vous êtes méchant, oh. Si tu es oh. Si navré, oh. Les artistes Mbrakata, vous avez été sans cœur avec nous. Bref, on a fait les photos, les choses comme ça. Après, il y avait une fille de la classe. Non, ce n'est pas une fille de la classe, c'était une fille de terminale A2. Oui, elle n'était pas de chez nous. Elle était en A2. Moi, j'étais en A1. Elle a commencé à pleurer. Vous allez me manquer. On va plus se voir, vous allez me manquer. Parce que elle, on avait fait la seconde et la première ensemble. Et après, bah, elle allait en terminale à deux. Bref. Vous allez me manquer, les amis. Quel palais. C'est sa robe, j'ai regardé. Quel pleut un peu. Robe la va un peu sur la gauche. Quand c'est son œil gauche qui coule, robe la va sur la droite. Vous voyez les robes sénégalais m'a enterré là. L'Europe sénégalais m'a poignardé. C'est ça. L'Europe, on achète au marché que yeah. L'Europe yérine. Celle-là même n'a jamais été stylée. Elle va se reconnaître. Toi, je suis tombé sur ton Facebook l'année dernière, je crois. Lunettes. Monture de lunettes, tu portais depuis seconde en 2011. C'est même mon Dieu là qui est sur ton visage. Pourquoi tu fais ça? Tu vas te reconnaître. Pourquoi tu es méchant comme ça? On s'en va devant. Toi tu dis non. Pourquoi l'époque avance? Toi tu dis pourquoi l'époque avance? Toi. Toi. Je suis tombé sur ton Facebook. Toujours les mêmes robes. Tu peux pas changer. Tu as comment? Tu me vois pas? Quand on dit quelqu'un a glow up, c'est moi. J'ai glow, c'est pas à faire des stars. On n'a qu'à laisser à faire des stars. Tu vois pas mes looks? Surtout quand je suis à Paris. Les pantalons taille haute. Là même, c'est parce que j'ai pris un peu de poids. Sinon, quand j'étais encore un peu plus mince, le crop top, je vis la mode. Je vis la mode. Tes robes de œuvre et mission là, c'est quoi? Oh! Bref, les chéris, après ça, bah, on est rentré à la maison. C'était ça mon bal de fin d'année. C'est comme ça, ça s'est passé. Vraiment, c'était pas comme dans mes rêves. C'était tout sauf comme dans mes rêves. C'était pas comme j'ai imaginé. C'était pas comme j'ai phosphoré. Ah! Mon bal de fin d'année était hieri. Je suis rentré à la maison. Le lendemain, ma maman me demande c'était comment. Je lui ai dit, je dis l'argent que tu as donné là. C'était comme ça. C'était à la hauteur des 5000 francs que tu m'as donné. C'était à la hauteur. Oh, j'ai oublié une partie. Quand les rappeurs, les petits rappeurs là sont venus chanter là, à un moment donné, genre on doit travailler sur eux. Mes amis disent que, ah, on a qu'à cotiser, on va donner au rappeur. Et là, elle a dit, parce qu'ils ont chanté quoi? C'est que nous-mêmes allons, on va faire comme les Destiny Child, et puis on va nous donner l'argent. Oui. Allons-y, on va faire comme les Jackson.
À l'époque où Michael Jackson chantait avec ses frères, ils ont chanté quoi? Ils ont chanté quoi? Les choses de ma maman boit du lait, donc je n'ai pas de plaie. Les choses de ça là. En Akka, où je suis là, j'ai que mon transport pour rentrer à Yopougon. Où est fête même, on est venu faire. Fête, un cocktail offert. Le reste, tu dois payer. Nourriture. On te donne pile 50. Pâté. De donner l'argent quoi à un rappeur. Ça là même, c'est pas un rappeur en herbe. C'est un rappeur, c'est maintenant on vient de planter les graines. Ça c'est pas un rappeur en herbe. C'est un rappeur, c'est maintenant on vient de planter les graines. Je sais même pas comment je vais dire. Bref. En tout cas, c'était ça. Ma cérémonie de bal de fin d'année. Hier. Après, ils ont commencé à dire que on va aller zé, on va aller zé. Il me restait 3000 pour rentrer à la maison. Zé quoi? Quand on dit zé, ça veut dire on va aller fêter. Je suis rentré. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Je vous fais plein de bisous. Et puis, likez surtout. Likez.